produit là qu'on s'apprête à analyser, tu l'as acheté comme étant quoi ? La cocaïne. Donc là, les deux taches oranges, c'est la phénacétine. C'est une prise de 5 grammes, c'est létal. Je vois plein de gens en pharmacie qui vont être addicts aux médicaments, Tramadol ou des choses comme ça. Ils savent ce qu'ils prennent et ils ont même le dosage. Alors que les drogués, ils ont aucune info. Depuis 2016, des laboratoires de région ont été lancés. On a cet outil-là en complément des outils de veille sanitaire pour analyser les produits et faire un retour à l'usager qui soit pleinement conscient de ce qu'il consomme et également de comment le consommer en réduisant les risques. Ce produit-là qu'on s'apprête à analyser, tu l'as acheté comme étant quoi ? Un Taz ? Donc MDMA. De la cocaïne. Cocaïne, ecstasy. Hormis cet échantillon-là qu'on va analyser, à quelle fréquence tu consommes ce type de produit ? Quasiment tous les week-ends. Ok. Ok. Donc régulière quand même, pseudo-régulière. Okay. On peut parler de régulière. Ça marche. C'est bien, t'es honnête. C'est régulièrement, on va dire, les week-ends. Ça peut être pendant tous les week-ends pendant 3 semaines. Et après ça peut très bien ne rien avoir pendant un mois, 2 mois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as envie d'analyser ton produit ? En étant consommatrice, je connais mes limites. Et du coup, là, c'était clairement plus de la curiosité pour savoir un petit peu, effectivement, quelle substance on consomme. Parce que c'est pas forcément. C'est souvent coupé à plein de trucs. Donc, ouais. Je te laisse sortir ton produit en mettre un petit peu là-dedans, du coup. Voilà, comme ça a l'air très bien. Super. Donc là, le produit, il a été rendu inactif. Il est désormais légal. Le produit a été collecté dans le toxitube. Je vais le déposer sur une plaque de silice en comparaison à des témoins qui ont. Ensuite, on va le faire migrer. Ça va permettre de séparer les produits, voir s'il y en a plusieurs, s'il n'y a que le produit attendu, s'il y a des produits de coupe. Donc les plaques, c'est de la cocaïne. Donc là, les deux taches oranges, c'est la phénacétine. C'est un produit de coupe qui est assez courant. C'est un antalgique qui a été interdit en France pour ses effets potentiellement cancérigènes, néphrotoxiques sur le rein et sur le foie. La pharmacienne a pu faire l'analyse. Il ressort de votre substance qu'il y a deux produits actifs dans la substance, donc de la cocaïne. Et la deuxième substance active, c'est un produit de coupe, du coup, on appelle ça de la phénacétine. Et en fait, c'est un produit qui n'est plus commercialisé en France depuis 1994. Paniquez pas, hein, voilà. C'est pas un chouette produit, mais bon, la cocaïne n'étant pas un chouette produit non plus de base, donc voilà. La phénacétine, en fait, ça peut créer des insuffisances rénales. Si vous avez été honnête, en tout cas, sur le petit papier qu'on a rempli tout à l'heure sur la fréquence de consommation, vous n'êtes pas à risque, là, de faire une insuffisance rénale grave. Mais vous voyez, par exemple, la dose létale de la phénacétine, c'est une prise de 5 grammes, c'est létal, tu vois. Le fait que ce soit illicite, les gens n'ont aucune information sur les produits, donc c'est d'autant plus dangereux. Sur l'alcool, on a le degré, alors que là, on achète, on ne sait pas. Par exemple, on a trouvé de la xylazine dans un anesthésique pour cheval dans de l'héroïne, qui a eu vraiment des effets secondaires qui a entraîné d'hospitalisation. Donc là, on a incité les usagers à venir faire analyser leur héroïne avant consommation. On a eu du cannabis coupé avec du cannabinoïde de synthèse. Et bien là, en l'occurrence, quand le cannabis peut faire planer, celui-là était particulièrement... Il y avait des effets dissociatifs, des hallucinations, des dissociations du corps et de l'esprit. Quand c'est recherché, ça peut être apprécié. Et quand ça arrive par hasard ou sans s'y attendre, ça peut être... On a eu pas mal de gens qui sont partis à l'hôpital se demandant bien ce qui leur arrivait, quoi. La réduction des risques, c'est prendre les usagers de drogue là où ils en sont, au moment où ils en sont, essayer de faire en sorte qu'ils fassent le moins de dégâts possible dans leur consommation. On n'intervient pas pour qu'ils arrêtent, on n'est pas là pour ça, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas arrêter, il faut bien qu'ils aient des gens avec qui discuter, ben, c'est nous, c'est les Carudes. Si on pouvait plus en parler, il y aurait évidemment moins de dégâts. Je vois plein de gens en pharmacie qui prennent... des médicaments qui sont addicts à des médicaments, Tramadol ou des choses comme ça, ils savent ce qu'ils prennent et ils ont même le dosage. Alors que les drogués, ils ont aucune info. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est légale et l'autre qui est illégale, et il y en a un qui a des infos et pas l'autre. Et moi, je fais le lien.
Thank you.